Salut! Salut! Très bonne semaine à tous et à toutes. Très bonne semaine à toutes et à toutes. Restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien, hein? C'est Hérito à vous connecter. Franchement, moi hier, je suis vraiment, 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 hein? Je vous le dis, hein? Vraiment choqué. Vous venez de voir ce qui s'est passé là. Et cet événement se déroule à l'internat. Et c'est au mini-concert de Ariel Chéné. Bon, d'autres me diront que l'internat, c'est une entrée gratuite. Mais à l'internat, c'est gratuit, mais la consommation est très payante. Voilà, la consommation est très très payante et ça badine pas là-bas. Franchement, à mon humble avis, hein, à mon humble avis, ça n'engage que moi. Le titre du numéro 1 du coupé décalé est en train de souffrir. Il est vraiment vraiment en train de souffrir. Et jusque-là, il y a Safarel de son côté qui fait fort aussi du côté des États-Unis. Il y a tous les leaders qui essaient de rester constants, qui essaient de garder leur place. Mais franchement, le titre du coupé décalé, c'est-à-dire du numéro 1 du coupé décalé, elle est vraiment en train de souffrir. Quand vous voyez ce genre d'image-là, ça donne vraiment à réfléchir. Et puis, ça donne, je pense, hein, de ça s'agit un peu pour bien analyser les choses. Mais en même temps, il est fort de reconnaître que, même si actuellement, Ariel Chéné est l'artiste coupé décalé du moment, je ne le dirai jamais assez, mais il a beaucoup à accomplir. Hein. Voilà, on n'a qu'à se dire les vérités. Il a énormément à accomplir. Il a énormément accompli, vous allez comprendre pourquoi, avec ma vidéo de ce qu'elles sont en train de suivre des Bordeaux Likoufa, qui vous réserve aussi plein de surprises. Tu peux marcher actuellement très fort, comme c'est le cas d'Ariel Chéné. Mais ma seule prière, c'est de maintenir ce cap-là et de réaliser, on dira peut-être la moitié de ce que ces devanciers ont réalisé. Pour que nous, les fans, pour que la majorité des mélomanes à l'unanimité reconnaissent que c'est Ariel Chéné, le nouveau numéro 1 du coupé décalé. Chose que moi je confirme pas d'abord, parce que ne devient pas numéro 1 du coupé décalé qui veut. Ça, faut le reconnaître, parce que il y en a de plus talentueux, il y en a même qui ont marché plus fort qu'Ariel Chéné, mais qui n'ont pas pu, je vous le dis en toute humilité, qui n'ont pas pu s'accaparer ce titre-là. Parce que c'est vraiment un combat de lion pour s'accaparer ce titre-là. Déjà que le tenant du titre ne se laisse pas faire. C'est vrai que comme une branche de bambou d'Échine, il se tord, mais difficile de le casser. Ça, je reconnais. Actuellement, il traverse des petits moments difficiles, mais il demeure toujours le boss. Moi, je le reconnaîtrai toujours. C'est ce que peut-être certains ne comprennent pas, mais je vais toujours le reconnaître.
Et ce qui revient en commentaire ces derniers jours, c'est qu'on me dit, tu ne dis plus le nom de DJ Arafat. Non, je ne fais pas par peur. Je ne fais pas par peur. J'ai moi-même décidé de mettre un peu de recul parce que j'ai écouté maman et j'ai écouté mon papa. Voilà, mon papa, maintenant Patrice. Ce sont ces personnes à qui j'ai écouté pour faire un break. Sinon, DJ Arafat, c'est mon grand frère. Et il va toujours le demeurer. Mais je vais faire un break pour voir un peu ce que ça va donner. Sinon, c'est pas par peur. Voilà. Il sait très bien, je peux parler de lui quand je veux, comme je veux, et ça n'ira nulle part. Mais j'ai décidé de faire un break, et puis on va voir comment les choses vont évoluer. Pour dire que, quand j'ai vu ces images-là, j'ai dit, waouh! Bon, Arachiné a essayé de contacter toutes ces personnes qui étaient présentes à l'internat-là, pour montrer sa force de frappe, pour montrer son influence, pour montrer son poids actuel dans le coupé décalé, ou cela s'est fait naturellement. Parce que ce qui est bien de reconnaître, c'est que Arachiné avant n'avait pas de fans. Je le disais même dans mes vidéos, il n'avait pas de fans. Il se partageait les fans de son mentor, il se partageait les fans de Bordeaux, il se partageait les fans un peu du coupé décalé, même de Serge Beno. Et puis, comme l'a dit on va dire, pas mon père spirituel, mon bon vieux père, Souleymane Kamagaté, les spectacles passés de Arachiné étaient toujours en relation avec son mentor. C'est-à-dire, sans qu'on mettait le nom de son mentor, c'était un peu chaud pour que Arachiné remplisse une petite salle même. Mais avec ce qui s'est passé hier, il faut se poser beaucoup de questions. Les questions comme quoi, Arachiné s'est-il maintenant créé de nouveaux fans qui l'aiment pour sa musique, pour sa personne, et qui ne sont pas ces fans-là qui sont fans d'Arachiné parce qu'il vient d'un groupe ou bien il vient d'une écurie? C'est une excellente question que vous devez vous poser. Parce que comme je l'ai dit là, faut pas on va se mentir, hein. On est tous fanatiques, on aime tous le coupé décalé, on voit ce qui s'y passe, mais faut reconnaître qu'Arel Chiné est en train de grandir. Ça, faut le reconnaître. Et je n'imagine pas ce qui va se passer demain. Demain mardi à la CNPS, à la JB, au festival JP Chiné. Je n'imagine pas. Si demain, Arel Chiné confirme encore cet engouement-là, à cet événement-là. Franchement, il faut que son mentor redouble de force. Dieu merci, il a annoncé son prochain hit qu'on attend tous. On attend tous et qu'on espère qu'il va cartonner fort. Mais, les amis, moi je vous demande simplement d'être un peu poli pour ne pas avoir honte demain. Imaginez que vous n'avez pas confiance à quelqu'un. Vous le négligez, vous le rabaissez. Et puis demain, c'est lui qui devient le tenant de ce mouvement-là. La mort serait mieux. Voyez, c'est toute une grosse honte que vous allez vous prendre. Moi, jusque-là, là, je prenais le numéro 1 du coupé décalé. Et pour moi, ça n'a pas changé. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi qu'il y a un petit artiste, très jeune, du nom d'Ariel Chiné, qui est en train d'écrire son histoire à pas de tortue, mais sûrement. Voilà. Ce qu'il a réalisé à l'internat, là, c'était du balèze. C'était vraiment, vraiment incroyable. Moi, ce que je vais maintenant vous demander, c'est de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la prestation d'Ariel Chiné à l'Inténa, de l'engouement qu'il y a eu au spectacle d'Ariel Chiné à l'Inténa. Franchement, je veux vos avis. Je veux que vous faites une analyse dans les commentaires. Parce que franchement, là, c'est chaud. Je vous le dis, hein, c'est vraiment, 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 vraiment chaud. Et Ariel Chiné est en train de grandir. Moi, je vais vous avertir pour vous dire déjà qu'il est plus chiné. Et effectivement, je peux confirmer et le réaffirmer qu'il est devenu Champagne. Bien qu'il ne changera pas son nom. Mais, pour paraphraser, on peut se permettre de le dire. Arachiné est en train de devenir costaud. Et là, ce message-là, cette vidéo, elle a adressé à tous les grands. Quand je parle de tous les grands, je parle de Serge Beno, je parle de DJ Mix, je parle de KJ Vara, je parle de DJ Léo. Franchement, les gars, des Bordeaux et tout ça, réveillez-vous. Et puis, restez sur vos gardes. Moi, je sais que vous n'avez pas de problème si Dieu fait la grâce à Arachiné demain qu'il devient le numéro 1 du mouvement. Vous, ça ne vous gêne pas. Mais ce serait quand même une petite foutaise parce que quand même, les ténors, ça reste quand même des ténors. Hein. Un petit peu pas quitter de nulle part comme ça et puis venir prendre le flambeau du coupé décalé dans la main de votre numéro 1. Voilà, parce que souvent quand je parle, vous ne m'écoutez pas bien, mais je dis beaucoup, 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 beaucoup de vérité dans mes propos. Sérieusement, hein, moi, ça ne m'inquiète pas. Je suis content pour Arachiné parce que malgré que
L'image de son mentor lui collait dessus tout le temps. Et regardez quelque chose. Actuellement, il est en Discord avec son mentor et il réalise ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, les amis? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons nous dire? En tout cas, partagez cette vidéo-là, parce que je veux plusieurs avis en commentaire. Sincèrement, hein, je veux vraiment plusieurs avis en commentaire par rapport au show de l'internat. Voyez ce monde qu'il y a eu là. Personne ne l'a encore fait à l'internat. Voilà, vous pouvez demander à qui vous voulez. Personne ne l'a encore fait à l'internat. C'était du jamais vu. C'est pourquoi je me suis permis de faire cette vidéo-là pour me prononcer dessus. C'était vraiment du balèze. Et je veux que vous me donniez vos avis en commentaire. Dites-moi réellement ce que vous pensez d'Ariel Chiné et de sa prestation. Et tout ce qui tourne autour en commentaire. J'en ai vraiment besoin pour mes vidéos prochaines. Parce que pour moi, je le dirai encore à la fin de cette vidéo-là, le titre de numéro 1 du coupé décalé est en train de souffrir. Voilà, il peut y avoir changement. Puisque le tenant même du coupé décalé est un bosseur, il y a toujours eu des tentatives pour lui rafler ce titre-là. Mais il est resté digne et il a toujours maintenu le cap. Et moi, tout ce que je souhaite à Réchiné, c'est de maintenir le cap. Et si ce cap qu'il a commencé là est maintenu, il deviendra à coup sûr numéro 1 de ce mouvement-là. Voilà, même si Debordeaux n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, on se donne rendez-vous à 15h30. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, c'était Irito. Ciao, ciao.